Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. J'allais le faire tout seul et puis je me suis dit, ben non, je vais... Allez, je le fais. Alors, c'est sur un groupe Facebook, c'est des créas de Carole. Et elle a présenté, elle a eu le tuto sur Instagram, je crois, par une américaine. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire en tuto sur ma chaîne. Alors, je ne sais pas du tout le nom là, tout de suite, le nom de la personne. Mais quand je mettrai ma vidéo en ligne, je mettrai le nom de la personne aussi. Voilà, je vais essayer. Hein. Alors... Il nous faut un petit peu de rhodoïde ou alors une fenêtre enveloppe. Moi, je pense que je vais prendre une fenêtre enveloppe. Je pense que j'ai plus petit. Je pense hein, que j'ai plus petit. Alors, je regarde. Oui, j'ai plus petit. Alors, moins large, quoi, je pense. Pour ce que je veux faire, je pense que moins large, c'est bien aussi. Alors, est-ce que celle-là va le faire? Est-ce que c'est pas trop le... moins large? Ouais, ça fait. Mais, quoique, celui-là, il est pas mal aussi. Ouais, je pense. Je sais pas. Parce qu'après, on va mettre ça comme ça, dessus. Ouais, je pense que je vais garder celle-là. Allez, hop. Vous choisissez par rapport à l'image que vous avez mis. Moi, je ne vais pas mettre du rhodoïde. Sur la vidéo, elle colle le rhodoïde là. Mais moi, mon rhodoïde, je le trouve un peu rayé. Alors, du coup, je ne le mets pas. Je vais prendre une enveloppe que je vais coller. Alors, d'après le tuto, hein, elle ne donne pas de mesure. Moi, je comprends pas ce qu'elle... Je pense qu'elle ne parle même pas. Bon, moi, je l'ai doublé parce que mon... Mon papier, je l'ai eu chez Chine ou chez Temu, je ne sais pas. Et c'est la Flower of Life. C'est la collection comme ça. C'est la collection automne. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, moi j'ai pris la feuille avec les feuilles automne. Et j'ai pris celle-là. Hop. Avant de le coller, hein, moi j'ai fait, voilà, j'ai plié le papier en deux. J'ai gardé la largeur de la feuille, hein, j'ai plié le papier en deux. J'ai coupé le premier coin et j'ai mis le deuxième coin, là. Je crois qu'ils ne sont pas égaux, mais ce n'est pas grave. Après, je l'ai fait comme ça. J'ai cousu à la machine que la première feuille. Je l'ai cousu tout autour. Moi, j'ai fait à la machine, vous n'êtes pas obligés. Vous pouvez le faire avec le stylo, bien sûr. Voilà, moi, j'ai avancé parce que vous savez que la couture, après, il faut sortir la machine. Voilà, j'ai pris, voyez, c'est comme ça. J'ai pris ma feuille et je l'ai fait dans un autre petit tag qui va venir là. Ça va venir ici, mais avant, je vais coller ma fenêtre. Vous savez, je vais coller ma fenêtre comme ça. Hop, comme ceci, pour que j'ai... Juste le petit hérisson. Oui, j'ai pris un hérisson. À quelle est triste cette chanson? À qui l'ai pris le hérisson? Tout, 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 tout. C'est Midi Jolie. C'est mon premier disque vinyle que mon mari m'a payé quand on s'est rencontrés. Je vous le dis? Allez, en 79. Eh oui, il m'a payé ça. Voilà. Et du coup, c'était un cadeau comme un autre. Hein, et moi, j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai encore. Je l'ai fait écouter à ma petite Rachel. Oui, je dis ma petite Rachel parce que c'est ma petite fille. Alors, voilà. Et puis, elle a beaucoup aimé. Elle a dit que c'est le disque, c'est vinyle, c'est Émilie Jolie. Et... voilà, je partage avec mes petits-enfants quand ils sont là. Oui, j'ai encore un tourne-disque. Bah oui.
Ce matin, mon mari, il a été chercher les photos. Et il cherchait je ne sais pas quoi. Et il est tombé sur les photos de Normandie. Ça fait 23 ans qu'on est là. Alors, je vais coller. Oui, je vais coller. Et je vais le coller avec cette colle-là. Oui. Alors, je colle en grand. Tac, 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 comme ça. Et là, je vais faire doucement parce que je veux pas. Je veux pas que ça aille sur mon. Sur ma fenêtre, hein, bien sûr. Ah, je suis nulle. Ah ben non, 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 c'est bon. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis pas nulle. Ah, Béa, je suis pas nulle. Elle va se reconnaître, ma Béa. Ma Béa d'amour, elle va se reconnaître. Alors, je le colle comme ça. Je vais le laisser pendant ce temps-là. Hop, je vais le laisser tranquillou. Tranquillou, bien loup. Je vais faire un onglet. Alors, j'ai la distance de celui-là. Ouais, je vais le laisser comme ça parce que j'ai envie de garder. Vous voyez, j'ai pris une chute de papier que j'ai cousu mon image que j'ai découpé des feuilles là. Et voilà, je l'ai cousu tout autour avec un point fantaisie, bien sûr. Voilà. Alors, je vais faire un onglet. Mais mon onglet, je vais faire. Ça va être du rapidos, hein, vous allez voir. Tac. Tac. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir à mon problème. Alors, ça, par contre, je vais le coller. Je vais le coller aussi parce que sinon, après, je vais être embêtée. Alors, on met de la colle là. On fait. Le tag que vous voulez, la hauteur que vous voulez, hein, parce que voilà, hein, c'est comme ça. Et on fait ici. Je ne donne pas de dimensions parce que bah, moi j'ai pris des dimensions comme ça me plaisait. Hein. Voilà, tac. Hop, j'ai nettoyé tout à l'heure mon truc, mais je suis en train de le ressalir là. Alors, là et là, que je. Voilà. Je vais le laisser de côté aussi. Et ce côté-là, je vais prendre une petite sheet de papier craft. Je ne sais pas si je vais mettre une petite sheet, parce que c'est sur le thème automnal. Mais voilà, on n'est pas obligé du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, de mettre sur le thème automnal. Je la mets à plat parce que. Si je. Ça va faire comme ça. Alors, j'avais envie de prendre un onglet. Qu'est-ce que j'ai là? Parce que ça, c'est des images. Comment? C'est des images que Tadoun. Oui, 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 Tadounette. Elle a partagé sur son groupe. Et merci à toi, Tadounette. Et moi, je les ai imprimées. Et je les ai décollés, voilà. Comme c'est sur le thème automne, pourquoi pas mettre. Ah, quelle est belle cette chanson. Je ne sais pas du tout, si, j'avais envie de trouver une petite comme ça encore. Si j'en ai une, je la prends et ben voilà, regardez. Et je vais mettre mon onglet. Alors, je vais mettre comme ça, je préfère. Tac, tac. Comme ça, je vais le faire. Ouais. Hop, et comme ça. Alors, je vais mettre comme ça. Comme ça et comme ça. Et je vais faire mon onglet parce que je vais mettre un. Je vais la coller d'après. Je vais mettre un œillet. Je vais faire comme ça. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Allez, hop. Par contre, je vais le coller avant un petit peu, là, pour pas que ça bouge de trop. Voilà.
C'est ta donnette hein, qui. C'est ta donne. Hein. Je ne dis pas ta donnette parce que ben voilà, c'est pas approprié à moi. Ça a été quelqu'un d'autre. Et voilà, moi je l'appelle ta donnette dans des moments comme ça, mais c'est pas. Voilà. C'est pas moi qui l'ai appelé comme ça. Si vous suivez ces vidéos, vous savez qui l'appelait comme ça. J'aime bien celle-là aussi. Hein. Non, hein, du coup, je l'ai collé, ben, je le laisse. J'ai fermé ma porte dans, là de l'atelier, côté, parce que j'ai trois portes hein, alors, dans mon atelier, côté terrasse, parce que j'ai les voisins, ils sont en train de faire la barrière. Et ça fait beaucoup de bruit. Alors, qu'est-ce que je fais? J'arrondis les angles? Oui. J'ai dit qu'elle serait pas longue hein, ma vidéo. Je l'ai dit ou pas hein? Il me semble. Voilà, hop. Je pense qu'on va pas être trop mal. Ouais, si elle rentre comme ça, après, là je vais faire comme ça. Oui, ça va le faire, ça va le faire. Hop. Alors, hop. Tac, tac. Et je vais mettre un œillet, je ne sais pas. Il ne faut pas que je mette un gros œillet parce que... Comment? Je vais mettre celui-là. Il me plaît bien. Moi, ouais, c'est dans les couleurs. Là, j'en ai pas. Ah, quoique, j'ai celui-là. Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors. Non, je me pose celui-là. J'ai du mal, hein, j'ai du mal à choisir. Ben, je vais mettre celui-là. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Je vais mettre celui-là, là. Après, on le met où on veut, hein. C'est pas long à faire. C'est pas long à faire. Si, c'est long à faire. C'est parce que moi j'ai mis de la couture, des machins, des trucs, des bidules. Mais voilà. Moi je vais mettre. Ouais, je vais le mettre là à peu près. Ouais, je vais le mettre là. Et puis je vais faire un autre trou là pour que je puisse voir. Je puisse voir où j'en suis. Voilà. Je vais le mettre là. Hop. On va pas être trop mal là. Alors, il faut que. Oui, bah moi je fais en onglet comme ça. Hein. Vous, si vous avez des onglets, vous le faites. Hein. Moi, là, je mets l'onglet comme ça, mais on peut faire autrement. Hein. Voilà, après, chacun voit midi à 14h. Hein. Non, c'est midi à sa porte. Voilà, alors après, c'est moi, c'est mon problème, c'est de... Je sais jamais comment mettre mon œillet pour que ça soit bien arrondi en bas. Alors, je vais le faire comme ça. On verra ce que ça va donner. J'espère que ça va bien donner... Alors, le tout, c'est d'y aller, hein, déjà. Alors, là, là, là. On va y aller, hein. Il ne faut pas que j'aille trop de travers, parce que sinon, après, mon étiquette est de travers aussi. Alors? Pour une fois, regardez, moi, la beauté du truc. En plus, ça ne rappe pas ni rien. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal, Maria. Ça va, hop, celui-là, on le laisse de côté. Après, on va faire celui-là. Ah bah, j'aurais dû prendre un autre œillet comme ça. Oui, parce que je vais en mettre un autre plus haut. Encore plus haut. Hop, là.
comme ça. Et je vais le faire là. Alors, hop. Non, je ne mesure rien. Hop. Là. Et alors, on refait pareil. J'espère que ça va marcher mon truc. Il n'y a pas de raison. Hein. Nickel. Regardez, nickel chrome. Hop, hop, et hop. Là, après, pour mettre à l'intérieur ici, on peut faire des petites cartes comme ça. Alors, moi, je ne les ai pas faites. Mais je vais mettre des trucs que j'ai, des petits tags. Voilà, j'ai des tags là. Je vais mettre un tag. Un tag, deux tags. C'est pas sur l'automne, mais... Quoique Maria, tu peux mettre que du noir. Hein. T'as ce qu'il te faut. Hein. Ben voilà, trois, comme ça. J'en mets trois. Après, on peut mettre autre chose. Hein. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, je vais mettre ça. Regardez. Hop. 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 Voilà. C'est pour vous montrer qu'on peut mettre des trucs même plus grands, tout ça. Alors, je vais couper mon bidule. Je vais le couper avec la règle. Et le cutter. Voilà, ça déchire déjà. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Ça a donné un petit peu d'épaisseur au papier parce que moi, le papier, il est très très fin. Ben, c'est du, vous savez, c'est du chez Notimu. Ils sont pas spécialement épais, alors voilà. Faites voir. Ah, là, j'ai pas assez coupé. Voilà. Nickel chrome, nickel chrome, nickel chrome. Là, je vais prendre des ciseaux par contre. Vous faites, pour regarder la vidéo, vous faites comme vous voulez. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, un commentaire. Je vous répondrai. Je réponds toujours à mes commentaires. Même si c'est merci beaucoup, mais je réponds toujours, 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 toujours. Sauf à ceux qui ne me disent pas bonjour. Je ne leur dis pas bonjour, je ne mets pas de coucou, je leur dis simplement merci. Avec un smiley qui fait des bisous. Sinon, voilà, je ne discute pas beaucoup avec elle. C'est comme ça, c'est la vie. La politesse, c'est pour tout le monde pareil. Voilà. Après, voilà, je ne suis pas chiante, hein. Loin de là. Mais la politesse, c'est pour tout le monde. Alors, ici, je vais mettre là, ici, là, ici, là, là, comme ça. Je vais le mettre un tout petit peu plus haut parce que j'ai un petit truc à mettre là. Hop, alors, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Je vais prendre mon petit biberon de précision et je vais mettre la colle. Ha, ha. Je pense que il n'y a pas de souci, j'ai jamais eu de souci. Alors, hop. Après, on peut le coller jusque là. Hein. Voilà, hein. On peut le coller. Hein. Parce que ici, il n'y aura rien. Est-ce que c'est ce côté-là? Oui. Mais oh, que je mette pas sur le l'enveloppe parce que pas sur l'enveloppe mais la fenêtre, voilà. Alors chez nous il fait comment vous dire, le temps il est bizarre. Alors samedi dimanche matin il a plu toute la journée.
Ce matin, il a replu quelques gouttes, mais le temps, il est très, très, très humide. Mais voilà, mon mari dit que ça lui plaît comme ça. Moi, ça ne me plaît pas parce que moi, j'adore la chaleur. Voilà, ici. Comme ceci. Là, regardez, 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 regardez. Tout, 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 tout. Ça va être comme ça. Regardez comment c'est beau. C'est beau, hein? Bon, après, je vais ancrer, hein. Peut-être que je vais ancrer même tout de suite. En attendant que ça sèche un petit peu. Voilà. J'aurais pu mettre un œillet là, hein. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, là, je vais mettre autre chose. Je vais peut-être mettre... Alors, j'ai une amie, peut-être 2 ans en arrière, elle m'a envoyé des champignons, des champis. Et moi, j'avais fait un hérisson, mais je ne vais pas le mettre. Je vais mettre un champi comme ça, ici, là, comme ça. Hop. Là, je vais mettre un champignon comme ça. Je ne sais pas si celle m'en avait envoyé de plusieurs tailles ou pas, je ne me rappelle plus. Oui, 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 elle en avait envoyé de plusieurs tailles. Alors, du coup, je vais en mettre 2. Je vais faire comme ça et comme ça, je pense. Je pense. Ou alors, gris. Non. Oh, pas que gris, c'est bien aussi. Hein. J'ai rien de marron, de machin, mais ça tranche un petit peu. Alors après, elle m'en a envoyé d'autres. Hein. J'y suis là. Voilà, je suis revenue vers vous. J'ai choisi. Alors du coup, j'ai changé. J'ai mis, hop, vous bougez, mais c'est normal. Le câble, il est flexible. Alors du coup, ça fait glou, 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 glou. Alors du coup, je range, mais j'ai trouvé des étiquettes automne. Mais je pense que je vais mettre... je sais pas. Peut-être là. Je sais pas encore. Hein. On voit pas beaucoup automne. Mais je pense. Ou alors celle-là, là. Avec autre chose. Je sais pas. Bon, du coup, déjà, j'en sors une. Voilà. Hop. J'ai pas encore. J'ai mis mon petit papillon. Mais, non, pas du tout. J'ai mis des champignons. Que Nani, elle a fait avec ses patouilles. Hein, alors, que je vous montre. Alors, ça fait peut-être 2 ans hein, qu'elle me les a envoyés, Nani. Hein. Puis, j'arrivais pas à trouver où je les avais mis. Puis, en fin de compte, ils étaient pas loin. Voilà. Je sais pas où vous mettre pour avoir les bonnes couleurs. Je pense qu'on est pas mal là. Là, on est pas mal. Ouais, voilà. Comme ça. Vous voyez, c'est les patouilles de Nani. Et j'ai trouvé un petit hérisson. Voilà, que j'avais au bout de je sais pas de quoi, d'une pince à linge, je crois. Et du coup, ben voilà, je le mets là. Là, mon hérisson fenêtre, il va aller là. Regardez comment c'est beau. Regardez. Là, comme ça. Hop, j'ai pas encore ancré, rien du tout. Hop, on va le mettre un peu plus bas pour pas qu'on voie trop les... Je vais mettre mes petits champignons là, j'ai pas encore collé. Et ça, ben, je vais mettre mon fer à colle chaude. Hop. Pourquoi toi, tu es là? Je ne sais pas. Alors, normalement, mon fer, il est chargé parce que j'ai chargé cette semaine. Cette semaine, la semaine dernière, quoi. Voilà. Alors, ici, je vais mettre automne. Je ne sais pas. Ouais, je pense que je vais mettre celui-là. Celui-là, il me plaît bien aussi. La couleur, hein, je vous parle. Ouais, je vais prendre celui-là. Allez, j'ai vendu. On va mettre celui-là. Alors, je vais prendre un petit bout de papier marron. Je sais que j'en ai où. Je sais que j'en ai, hein. Parce que je voudrais faire... J'en ai. Ça, c'est pas marron. Voilà, marron. Je garde les petites sheets comme ça parce que, vous voyez, pour faire un sentiment, hein. Bon, il est pas, mon truc, il n'est pas coupé droit. Voilà, aussi bien, il n'y a rien qui est droit chez moi. Ce qui est droit chez moi, c'est la...
C'est la, pas la discipline, parce que j'appelle pas ça... Non, c'est la, le savoir-vivre. Voilà, le savoir-vivre, parce que ben, je trouve que c'est pas joli, hein, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce que... Voilà, c'est pas joli, joli. Alors, je vais mettre un peu plus haut, là, comme ça. Je vais couper. Tac. Je vais couper un peu plus loin pour couper à peu près droit. Je vais attendre un petit peu parce que je vais l'ancrer. Vous voyez, ça soigne mon doigt. Il soigne. Oui, 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 il soigne. Ça guérit, quoi. Mais c'est pas top. Hein. Je vous assure que c'est pas top. Mais ça va le faire. J'ai pas mal. C'est la sensation. J'ai dit que j'allais l'ancrer. Alors, ouais, j'ai mis mes encres. Je les avais là ce matin. Parce que j'ai fait pas mal de trucs ce matin. C'est pour ça que vous allez me voir avec le même... parce que, voilà, c'est... J'ai mis mon châle parce que c'est aussi un moment où il fait frais. Il fait frais, il fait frais. Alors, je ne sais pas où j'ai mis ma boîte de tampons. Alors, du coup, je vais mettre rien du tout parce que je vais les prendre là. Je ne sais pas où j'ai mis ma boîte. Je vois mon petit pinceau, mais je sais que j'en ai un là. Alors, je vais le prendre là, marron. Hop. Je vous avais dit que c'était une vidéo rapide. Encore que je n'ai pas fait la couture avec vous. Hein. Hein, vous êtes d'accord? Alors, j'ai aussi de la gaze. Je ne sais pas, je voulais en mettre un petit peu, là. L'ancrer un petit peu aussi. Voilà, là, je vais ancrer, puisque je ne l'ai pas ancré. J'ai envie de... J'ai fait en vert, parce que, voilà, c'était... dans les couleurs automnales, et ma machine elle était enfilée de cette couleur là parce que j'ai fait un double rideau à ma fille. Et puis voilà, on va mettre un petit peu ici, tac 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 tac. C'est très joli, j'aime assez mon... Bon, après ça vient pas de moi, hein. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire? De la gaze. J'en ai où de ça, de la gaze? De la gaze, j'en ai où de la gaze? Alors, peut-être dans mon potolet. Peut-être dans mon potolet. Peut-être, je dis bien. Parce que c'est pas évident. Bah, écoutez, j'en ai pas. Je croyais en avoir un petit bout. Non, ça c'est de la dentelle. Non. Bah écoutez, tac, 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 on rentre tout. Et on range. Bah je sais pas. Je ne sais pas. Ici, dans ma petite tasse, là. Oui, j'ai des chutes de dentelle un peu partout. Non. Bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Ah, par contre, il me faut peut-être... Ouais, vous avez vu, j'ai des feuilles comme ça de chêne. Je sais pas qui c'est qui me les a envoyées. Je sais pas si c'est Nani ou si c'est moi qui ai le DAS. Je sais pas. Mais puis comme j'ai pas envie de chercher, j'aurais pu chercher. Hein. J'aurais pu chercher. Alors je sais plus où j'ai mis l'autre biberon. Alors du coup, ben, je vais prendre celui-là. Je vais mettre mes fleurs. Pas mes fleurs, ça c'est pas des fleurs, c'est des feuilles, Maria, déjà. Hop. Je vais mettre un petit peu. Je crois que c'est moi qui les ai fait, ces feuilles-là. Ouais. Je dois avoir le dice, mais il faut que je le cherche. Parce que je vais en refaire. Alors là, je voulais mettre quelque chose en dessous que ça fasse comme ça. Ouais, je vais mettre là, tant pis.
Hop, comme ça. Oui, il a un peu de travers. Bon, c'est pas grave, hein. Pas grave du tout. Là, je vais mettre mes champignons. Merci à Nani. Hein. Merci ma Nani. Alors, je fais ce tag parce que bah, je sens que l'automne, il va pas tarder à arriver. On n'a pas eu d'été, alors maintenant, on va avoir de l'automne. Hein. Voilà, comme ça. Je ne vais pas trop y toucher parce que sinon après, je vais salir ma fenêtre. Et j'ai pas envie. Vous voyez? Ouais, je vais le mettre là, lui. Hop, juste à côté, comme ça. C'est-il pas beau, tout ça, là? Et mon hérisson, je vais le mettre là. Oui! Allez, on va essayer voir si ça marche déjà. Alors, en tout cas, il est chaud, hein. Vous voyez, ça fume, mais... Pourtant, ah, ça y est, ça vient. Voilà. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Je vais l'arrêter parce que je n'ai pas besoin d'autres. Je pense pas. Et voilà. Ça, comme ça, je peux l'enlever. Un petit peu plus bas. Voilà. Hop. On est pas mal, hein. Maintenant, je voulais trouver un truc là. Je vais mettre là. Là, je ne vais pas mettre de ruban. Hein. J'aurais pu faire un truc là. Un truc machin bidule chouette. Ben non, maintenant c'est collé. On laisse comme ça. Bon, on laisse. Un fil. J'ai vu que j'avais du marron là. Un petit bout comme ça. Regardez comment c'est beau, ça. Ouais, je vais mettre ça, un petit bout. Je ne veux pas en mettre beaucoup. Je vais mettre juste un petit bout. Alors, je ne sais jamais dans quel sens on met. Si c'est de par là ou de l'autre côté. Voilà. Je pense qu'on est pas mal, hein. Regardez comment c'est beau. Oh là 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 là, on est pas mal, on est pas mal. Hop, hop, on est pas mal. J'aurais pu mettre un petit liseré, mais après ça cache tout aussi. Hein. Ça cache mes écritures. Non, ça va cacher mes zigzags de. Là on voit mon enveloppe et j'ai pas envie. Voilà, regardez. Vous en pensez quoi, les filles? Dites-moi. Alors, on a trop de lumière d'un côté, on a trop de lumière de l'autre. Voilà. Je ne sais pas du tout comment vous voyez les couleurs, mais en tout cas, elles sont très belles. J'adore les champignons comme ça. Vous voyez, il y a un petit peu de vert qui rappelle le feuillage ici, puis le contour. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Le tuto, il est chez les créas de Carole sur Facebook. Je mettrai son nom. Et c'est elle l'a mis. Et c'est une américaine, je crois. Et je vous mettrai le nom de la personne. Voilà. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Béatrice, Béa, j'espère que tu aimes. Parce que je l'ai commencé avec... on parlait toutes les deux en MP. Et bah, j'espère que tu aimes. Parce que le rendu, il est génial. Oui, j'ai dit génial. Bah oui, on se fait des fleurs. Hein. Allez, je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez la vie du bon côté. Les moments sont durs. Oui, il y a des moments durs. Et je vous assure que je vis dans une période très très dure pour moi. Et parce que voilà,
Les résultats vont tomber la semaine prochaine. Et ça va être dur. Donc, ça va être dur jusqu'à temps qu'on me dise quoi que ce soit. Voilà, je vous fais des bisous. Et à très très vite. La vie est belle. Ciao. Scrapez bien.